Oui, mon cœur. C'est la dernière fois quand il veut m'appeler Tacha. Oui, mon cœur. C'est pareil. J'arrive. Ça sera très bon. Positif. Je pense que c'était à l'époque où j'avais autour d'une trentaine de plantes peut-être, où je commençais à me dire, bon ben voilà, enfin, mon entourage commençait à dire, mais Eline, qu'est-ce que tu fais quand même, tu commences pas à en avoir beaucoup. Et puis à l'époque, je leur disais, vous savez, il y a même des gens qui en ont 100, ou, bon moi ça m'arrivera jamais, mais meilleure période, parce que je prenais énormément de plaisir à m'en occuper, au bout d'un moment faire l'habitude. Les plantes, comme on ne peut pas trop s'autoriser ça, et ben on ne perd pas trop l'habitude. Et donc, même dans les périodes où il y a des creux au niveau du moral, on finit par se relancer. Quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La décoration, évidemment, j'aime bien la décoration. J'aime bien être chez moi. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une activité. La dernière, en plus, elle n'est pas très bien. Et puis, c'était quelque chose qui était vraiment un temps pour moi. Quoi. Un peu solitaire, vraiment de moi avec moi-même. Et c'est vrai que c'est quelque chose un peu parce que j'avais plus beaucoup d'activités qui étaient avant les plantes. Je sais pas si je vais trouver des images de ça. Mon appart. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ton frère te fait des misères à toi.
Ok. J'ai reçu un colis, sachant que je n'attendais absolument pas de colis. J'ai eu grave peur de l'ouvrir. Genre la meuf, c'est bizarre, elle reçoit un colis, elle attend rien. Et finalement, punaise, la belle surprise. Incroyable. Non mais je vous jure, c'est Noël avant l'heure, vous vous souvenez de la magnifique bobèche en tissu que j'avais reçue de la part de Toupousse. Je vais vous remettre le lien de la vidéo là en barre d'infos. Elle est incroyable, regardez, je m'en suis servie récemment pour faire mes boutures de misère qui d'ailleurs doivent être super bien racinées. Faudrait peut-être que je vérifie quand même que tout se passe bien. Ouais, regardez-moi ça, elles sont belles les racines. Pas mal, là je vais les remettre en terre, je vais pas attendre plus longtemps. Et du coup, j'ai pu faire mes petites boutures grâce à cette superbe aubèche. Ils m'ont fait un cache-pot incroyable. Je suis trop contente. Je suis trop contente qu'ils se soient mis à faire des cache-pots. Franchement, qu'est-ce que c'est original. Puis alors, dans l'intérieur, ils sont plastifiés, vous voyez. C'est des anciennes bâches de récupération. Du coup, c'est imperméable. C'est trop bien. J'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je savais même pas que j'avais ça. Mmh.